Salut Clément. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Merci. Je vais me présenter. Je vous remercie de m'avoir invité au lycée avant le lycée, par preuve par 7. Donc je suis archiviste communal à la mairie de Bagneux depuis maintenant 7 ans et demi. Et donc je vais vous présenter mon métier, ma vie à Bagneux, parce que je suis aussi balnéolais, et mes engagements pour la ville, le travail que j'effectue, mon parcours professionnel, d'où je viens et comment je vois le lycée avant le lycée, aussi l'histoire de la colline des Mathurins, l'évolution du site et la vie des habitants qui ont vécu là et qui vont venir aussi s'installer là au fur et à mesure de la rénovation urbaine et l'installation de nouveaux habitants, comment on va faire le lien et par l'histoire entre les anciens et les nouveaux habitants. Très bien. Ben, merci beaucoup d'être là, du coup en direct pour ce troisième géo. Et je te laisse commencer. Donc on peut voir derrière moi, si vous le voyez, le site des Mathurins, hein, tout en haut à gauche, inséré dans son milieu, le tissu social et urbain. Donc la colline des Mathurins, on voit que ça forme un belvédère, une sorte de U, hein, entouré d'immeubles d'habitation construites dans des tours et des barres construites dans les années 1960, entre 59 et 62. Gillet et Gomis, deux architectes et urbanistes hein, de la tendance moderne selon le principe de la charte d'Athènes. Voilà. En haut à gauche, on peut voir l'industrie hein, qui s'était installée sur la colline des Mathurins, la Thomson-Houston, dans les années 50. Le site était réservé pour cette entreprise hein, qui s'est installée là. Et tous les ouvriers et les ingénieurs qui ont participé à l'industrie Thomson-Houston habitaient pour une bonne partie dans les immeubles que vous voyez entourant le site. Voilà. C'est parfait. Donc, Tu peux pour continuer. revenir à mon métier d'archiviste, j'ai fait des études, je viens de l'Aisne, dans le nord de l'Aisne, à Hirson, en tirage. Et après mon bac littéraire, j'ai poursuivi des études d'histoire, d'abord à la fac d'Amiens et ensuite à l'université de Lille 3, où j'ai obtenu deux diplômes, un en histoire, hein, en recherche historique. Mon thème, c'était la Révolution française. Et ensuite, j'ai bifurqué en spécialité archives pendant 2 années, donc un bac plus 5. Où là, je me suis spécialisé et j'ai appris le métier d'archiviste avec donc 2 années théoriques. Et ensuite, on faisait des stages de pratique. Je me suis spécialisé plutôt dans les archives communales à la mairie de Valenciennes, la mairie de Lille, et également en stage de fin d'études. J'ai bifurqué aux archives du centre Pompidou. C'est à ce moment-là que je suis arrivé en banlieue parisienne, Paris et sa banlieue. Les archives du Centre Pompidou, c'est des archives plutôt muséales. Et voilà. À la fin de mes études, il a bien fallu que je commence hein, à travailler. Et donc, j'ai postulé à la mairie de Bagneux, qui a bien voulu m'embaucher. Et je suis devenu fonctionnaire, hein, après avoir passé le concours. Fonctionnaire territorial, donc archiviste. À quoi ça correspond? Les communes, toutes les communes de France, ont à conserver des documents qu'elles produisent ou qu'elles reçoivent dans le cadre de leurs activités. Et donc, depuis la Révolution française, il y a un cadre légal qui impose aux communes de conserver les documents qu'elles produisent et reçoivent. Il y a des documents obligatoires et légaux qu'elles produisent. Par exemple, l'état civil, les naissances, les mariages et les décès, mais également tout le fonctionnement hein, de la collectivité. Les listes électorales, le recensement de la population, on génère beaucoup de documents. Avec le développement hein, de la société civile, aussi les nouvelles lois, le développement des activités des communes, il y a beaucoup, beaucoup de documents qui sont produits de plus en plus. Mais en tout cas, le cœur de métier, c'est de conserver ces documents avec leur gestion. Il faut connaître la durée d'utilité administrative des documents. Et à la fin de leur durée d'utilité administrative, on décide de savoir si ces documents doivent être conservés
pour quelle période et si elle doit être détruite à la fin ou gardée pour l'histoire. C'est le volet patrimonial. Donc on est dans un métier qui est et administratif, gestion de documents, et patrimonial, historique, dans le cadre de la grande loi sur le patrimoine qui date de la Révolution française, ça fait quasiment plus de 200 ans. Voilà. Du coup, quotidiennement, en fait, tu tries, tu recherches des documents qui sont en péremption. Qu'est-ce que tu fais tous les jours, en fait? Alors, il y a plusieurs volets. Effectivement, je classe, je conserve, je collecte et je communique les documents. C'est les 4 C. Donc, tu fais la numérisation aussi? Alors, je numérise à la demande, hein, et après, on a aussi des campagnes de numérisation, mais sur des collections très historiques et anciennes, sérielles, qui permettent ensuite d'avoir accès à des documents riches en histoire. Pas forcément, il y a des documents qui sont moins riches, des documents qui sont plus riches, et c'est l'archiviste qui décide en collaboration avec les équipes de la mairie, les élus, et aussi ce qui se fait aussi dans les autres collectivités. Hein, on décide de savoir ce qui doit être numérisé. Par exemple, ma collègue et moi, nous sommes deux au service des archives, qui se trouve au sous-sol de la médiathèque de Bagneux. On a décidé de numériser et de donner en accès libre hein, sur le site des archives communales, des archives numérisées de la commune, les journaux locaux. On a une collection de journaux locaux qui s'appelle L'Aube Nouvelle, qui retrace l'histoire, on peut y trouver trace de l'histoire de la commune hein, depuis les années 30. On a un problème de code. Et ensuite, on a par exemple aussi tous les Bagneux Info, qui s'appelaient avant le bulletin municipal, qui sont en accès libre sur ce site. On peut également y retrouver les délibérations du conseil municipal. Le conseil municipal se réunit régulièrement pour décider des actions que la commune mène. Et le vote du budget, le dispatchage du budget avec les différentes actions, tout ce qui relève des obligations. Et donc, ces délibérations sont mises en registre. Ces registres ont été numérisés, mis en accès libre sur le site des archives communales numérisées. Elles sont aussi en accès libre en salle de lecture des archives, en physique. Et chaque citoyen qui habite en France peut avoir accès aux archives gratuitement et librement, en présentant une pièce. Et est-ce qu'il faut être habitant de Bagneux pour accéder aux archives de Bagneux? Tous les habitants de France peuvent avoir accès aux archives, qu'ils soient d'ailleurs citoyens français ou non. Il faut juste témoigner de son identité. D'accord. Pour pouvoir accéder à des documents. Et c'est l'archiviste qui a la maîtrise de cela. C'est des documents, il y a des durées d'utilité administrative et des délais de communicabilité qui font qu'il y a des documents qui sont communicables de suite, d'autres où il faut attendre un délai de 10 ans, de 50 ans ou de 100 ans, du respect de la vie privée. Quel genre de documents, du coup? Par exemple, on a une belle collection de documents sur de l'aide sociale et du chômage des années 30, notamment la période 1930-1936, la crise hein, économique. Mmh. Et donc, c'est des documents de demande d'aide sociale qui vont dans l'intimité des habitants, ou alors par exemple les demandes de logements sociaux dans les années 50-60, où il y a des demandeurs de logements qui font état de leur situation. Ce sont de très belles séries documentaires qui permettent de témoigner de la vie des habitants à une période donnée, mais pour préserver la vie privée des citoyens, on ne peut pas les communiquer avant un délai de 50 ans, c'est le délai légal de respect de la vie privée. D'accord. Voilà. Alors sinon, dans la vie de tous les jours, hein, mon but c'est d'aider les services à gérer leurs documents, leur masse documentaire, hein, tous leurs papiers, produits, les boîtes, les cartons, les différents types de documents qu'ils peuvent produire. Par exemple, on a un service ressources humaines hein, qui gère les agents de la collectivité, et ce service génère beaucoup de documents hein, de gestion, la paie, la carrière, la santé, etc. Mais par exemple, le service citoyenneté génère aussi beaucoup de documents d'inscription dans les écoles, d'inscription dans les centres de loisirs, tout l'espace vacances, etc. Et donc, on gère ces documents-là. Ça doit représenter un volume énorme de papier. Oui, plus de 17 000 boîtes sont conservées dans les archives. Donc, on a des magasins
qui sont le sacro-saint du service, hein, où seuls les artistes peuvent rentrer. Et donc, on a des méthodes de classement, d'identification des boîtes. Et tout ça, bon, c'est le métier d'archiviste. Et c'est notre pain quotidien. Donc, on aide à la gestion des documents pour les services. Ensuite, on collecte les documents qui arrivent à leur terme de durée d'utilité administrative. Et après, les services ou les citoyens peuvent nous demander les documents et on doit ressortir des documents. Et donc, c'est une gestion d'entrée et de sortie de documents pour pas pour trouver les documents, les remettre à la bonne place, etc. Et ensuite, il y a tout un travail de tri, de classement, de description d'inventaire. On inventorie tout et on a tout ça à gérer avec des bordereaux de versement, d'élimination, donc de destruction d'archives. Et ensuite, de description, on peut décrire le plus finement possible. On a aussi une grosse question de photos. Là, vous voyez par exemple le site donc, de la Thomson Houston qui est devenue Thales. Donc une entreprise de pointe hein, qui était installée à Bagneux pendant plus de 50 ans. Donc là, on voit par exemple une lettre en tête hein, de la compagnie Thomson Houston. Microélectronique, radar, ils avaient beaucoup de liens avec les entreprises militaires et aérospatiales. Donc là, ils échangent avec la commune, par exemple, hein, c'est un document qu'on conserve dans les archives. Sur la rue Blaise Pascal, il y avait le projet de cession d'une partie de la Thomson Houston à la ville de Bagneux pour construire le parc François Mitterrand, qui a été construit, inauguré dans les années 80 par Henri Ravera, le maire de l'époque. Donc ça a été une bataille avec l'entreprise hein, pour céder des terrains, etc. Donc on a des documents comme ça. Et on a une collection de photos énorme, plus de 60 000 photos, qui ne sont pas toutes classées ni inventoriées, parce que c'est un fonds énorme, hein, c'est un travail de fourmi. Les citoyens peuvent y avoir accès alors là, de façon assez libre et peuvent nous aider à inventorier toutes ces photos, hein, ce fonds photographique qui est unique. On en a numérisé quand même pas mal. Là, vous voyez par exemple l'inauguration du terrain de tennis. Voilà, c'est les tennis qui sont à côté de l'actuel commissariat de Bagneux. Donc on peut voir des joueurs de tennis. Il y avait des joueurs célèbres à l'époque. Et au milieu de. Ça doit être un officiel, et Jeannine Jambu, qui était maire de l'époque. Donc voilà. Pas mal de photos en noir et blanc également. Ça, c'est la rue des Mathurins. Avec les terrains de tennis, les futurs terrains de tennis. On voit ici rue Albert Petit, on est au niveau des serres municipales, les actuelles serres municipales. Il y avait une ferme qui faisait de l'horticulture. Parce qu'avec le cimetière parisien, on apprend aussi beaucoup de l'évolution de la ville hein, aux archives communales. Et on peut hein, retracer toute l'histoire de la commune, essayer d'expliquer les évolutions, notamment urbaines. Le cimetière parisien de Bagneux s'installe dans les années 1860-1880. 1880, 80-90. Et donc ça génère une nouvelle activité. Tous les maraîchers, les champs qu'il y avait à Bagneux, les gens commencent à faire de l'horticulture, donc la culture des fleurs, pour vendre au cimetière parisien, qui est quelque chose d'énorme, hein, le cimetière parisien de Bagneux. Donc là, on a une ferme où c'était un dénommé Colin qui s'occupait de ça, qui était horticulteur. Au niveau des serres municipales, donc il y a une permanence aussi du terrain hein, qui sert aujourd'hui d'établissement pour les équipes des espaces verts de la ville. Et on voit au milieu de la photo une indication vers la Thomson Houston. On prenait la rue des Mathurins pour arriver sur le terrain des Mathurins. Voilà. Par exemple, alors je vais finir sur mon métier peut-être. Vas-y. Donc, on est en lien avec les services pour gérer les milliers de boîtes, les centaines de milliers de dossiers hein, que ça génère. L'histoire aussi, on a un travail important de valorisation du patrimoine. Avec ma collègue, on s'occupe d'essayer de valoriser ce patrimoine. Il y a le patrimoine bâti hein, que tous les Bagnolais peuvent connaître, par exemple l'église Saint-Herblain qui a été restaurée récemment. On a la maison Richelieu aussi, qui sont des éléments patrimoniaux assez importants et qui marquent le territoire.
Mais on a aussi tout ce patrimoine, donc qui est plutôt sur du papier, qui permet de valoriser. On intervient du coup dans les classes de Bagneux, où les classes viennent à nous hein, pour faire des ateliers pédagogiques autour de l'histoire de la ville, son évolution. Ce matin même, on est avec des enfants de l'Écurie pour retracer l'histoire d'un poilu de Bagneux pendant la guerre 14-18. Et on sort des documents et les enfants peuvent se plonger dans des documents hein, d'archives. Donc voilà, on essaye de s'ouvrir. Tous les ans, il y a aussi les journées du patrimoine, hein, le 20, 21 septembre, 3e, 8e de septembre, où là, pareillement, on fait des petites expositions, des conférences et des visites de sites patrimoniaux. Donc on est disponible pour cela. Et ça permet aux habitants de Bagneux, mais aussi à l'extérieur, de découvrir la ville. Très bien. Et il y avait quelque chose qu'on devait présenter ensemble. Pour ce qui est de la valorisation du patrimoine, c'est la fameuse application de Bagneux Patrimoine, je crois, C'est ça. dont je devais sortir des screenshots, mais je n'ai pas pu. Donc on a pareil, avec comment dire, dans le prolongement de la numérisation hein, de certaines collections patrimoniales qui sont disponibles sur le site de la ville, hein, 92. Donc si vous tapez sur Google ou autre, archives Bagneux numérisées, vous obtiendrez ces numérisations. Mais vous avez aussi sur vos applications mobiles une application qui s'appelle Bagneux Patrimoine. Donc vous allez sur n'importe quel outil de téléchargement d'application et vous tapez Bagneux Patrimoine. Vous pourrez télécharger une application qui vous permettra de vous balader en numérique dans Bagneux et d'avoir accès à différentes photos, voilà, de photos anciennes de la ville, mais aussi de lieux patrimoniaux actuels. Et également, il y a un parcours sur la Grande Guerre, la guerre 14-18, et tout un tas d'autres choses. Alors, cette application doit être enrichie au fur et à mesure. Hein, donc, voilà, c'est pour aussi permettre aux jeunes générations qui sont plus sensibles aux outils numériques, notamment au téléphone, hein, de s'approprier, d'avoir un moyen d'accès au patrimoine. Et ça propose aussi des itinéraires, je crois, non? Des Ouais, itinéraires, des ok. balades, hein, balades dans le cœur historique de la ville, pour tout ce qui est patrimoine bâti, et également ensuite sur la Grande Guerre 14-18, une balade dans toute la ville sur les traces des balles nohaulées pendant la guerre. Et il y a également un parcours de photos anciennes, photos récentes, qui met en regard des photos anciennes et des photos récentes dans toute la ville, hein, quel que soit le quartier. La Pierre Plate, le Champ des Oiseaux, le centre-ville, le centre historique, l'abbaye Grégoire Mirabeau et le sud de la ville, les tertres, les Cuvrons. Voilà, donc Ok. là on a accès à une carte des Mathurins, 841. On conserve aussi tout le cadastre hein, qui avait été mis en application depuis l'époque napoléonienne et révisé ensuite. Donc, ça nous donne une idée aussi du nom des lieux. Bagneux est une ville qui a beaucoup et énormément conservé ses noms de lieux anciens, les lieux-dits, les Sablons, les Mathurins, les Pichets, la Fontaine, la Sarrazine. Ce sont des mots qui parlent aux balnéolés et il y a des documents anciens qui témoignent de l'origine de ces noms. Ensuite, on peut voir une vue aérienne. Donc, ce n'était pas encore occupé à l'époque, on est en 1921, là. Première photo aérienne de la ville. J'ai laissé le tracé des routes. Donc, voilà. Et celle-ci, donc, qui est encore plus récente. Là, on est dans les années 50, avant l'installation de la Thompson. Parce que les Mathurins hein, étaient occupés par une industrie de briques et de plâtre. C'est-à-dire qu'on creusait la terre pour y ramasser de la marne et du gypse. Donc la marne pour faire les briques. Et donc il y avait
des briqueteries tout autour du site et donc du gypse pour faire du plâtre. Alors, j'ai pas tout mis dans l'ordre, vous m'excuserez, mais. C'est de ma faute. Je prends la Si on se balade, on reviendra après. Hein. Là, c'est l'ancien site de la Fontaine des Fiets, juste à côté des Mathurins. Parce que la rue de la Fontaine entoure les Mathurins. La rue de la Fontaine qui s'appelle comme ça, grâce à la Fontaine Gueffier qui avait été construite dans les années 1860 par un homme qui avait de l'argent et qui voulait amener l'eau du centre-ville de Bagneux vers les quartiers sud, hein, les Tertres et les Cuvrons, qui étaient entourés à l'époque de vignes. On a cultivé la vigne jusque dans les années 1920-1930. Là, on est en 1900. Et donc, cette fontaine-là existe encore, elle n'est plus irriguée en eau, mais elle existe encore, le bâti en tout cas. Donc, on a là les briqueteries, hein, la briqueterie des Sablons. Donc, une usine de briques hein, où on entassait les briques. Voilà, on est en 1910. Petite donnée, hein, il y avait les usines de briques et en même temps les champs cultivés donc à l'époque hein, par des paysans, des cultivateurs. On voit au fond de la photo, vous ne le voyez pas forcément, mais le clocher de l'église de Bagneux, l'église Saint-Hermelin. Donc en 1910, hein, la ville comptait 2700 habitants. Aujourd'hui, on est à 40 000 habitants. Il y a eu un développement jusque dans les années 60 où on a atteint 42 000 habitants, c'était le maximum, avec la période des grands ensembles d'habitation. Là, on voit des briquettes, des ouvriers, hein, mouleurs en briques, avec des briques au fond. Donc là, c'est la briqueterie Horry. Un tas de briques devant l'usine. Cette briqueterie était route d'Orléans. Et donc là, on arrive au niveau des buttes. Hein, c'est un petit peu au nord du site des Mathurins, qui servait de terrain de jeu. Là, on a encore donc, le parc Omnisport, hein, qui est l'héritier de cela, et le stade Maurice Thorez. Voilà. Si je reviens sur le développement de la ville, hein, on est passé donc de 2700 habitants en 1910 à une augmentation démographique hein, avec l'industrialisation, l'exode rural, avec les gens de province qui arrivent à Paris en région parisienne. On est arrivé à 10 000, 20 000 habitants dans les années 1920-1930. Et après-guerre, à la suite de l'appel de l'abbé Pierre, hein, on est en 1954, le mal logement, les bidonvilles, etc. On construit, le gouvernement décide de construire tout autour de Bagneux, dans les espaces laissés libres, ils étaient encore libres avec les cultures, hein, maraîchage pour les légumes, horticulture pour les fleurs, vignes, etc. Des espaces libres. On décide de construire tout un tas de grands ensembles d'habitations, hein, selon la charte d'Athènes, un peu dans le style Le Corbusier, des immeubles qui accueilleront notamment le baby boom. Donc toutes les familles hein, et les enfants de la période d'après-guerre. Et donc, on arrive à 42 000 habitants en à peine 5 ans. Hein. On passe de 20 000 à 42 000 habitants, qui a été un maximum jusque dans les années 62-65. Et après, ça a baissé jusqu'à arriver à 40 000 habitants, la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Tu es dans l'autre sens. Ah, pardon. Je me suis trompé de sens. Et donc, l'arrivée de nouveaux habitants, là, on est rue Sarail, avec la place des Tertres, les immeubles de la place des Tertres. Donc, en 1960, donc, on installe tous ces immeubles, les rues, et donc, il faut effectivement des ouvriers pour viabiliser les rues. Ça ne s'est pas fait en un clin d'œil. Hein. Aujourd'hui, on peut croire que c'est normal d'avoir une route, des trottoirs et des lampadaires, mais non. Il a fallu le travail des hommes hein, pour l'engagement de la collectivité, hein, de la commune. Ça sert à ça aussi les impôts locaux, nationaux, financer donc la viabilisation des routes. On a vu les écoles. Là, c'est la route. Le groupe scolaire Paul Éluard, à Bagneux, il a fallu construire tous les ensembles, toutes les structures publiques hein, pour accueillir les habitants. Donc, des écoles, le groupe scolaire Paul Éluard, Marcel Cachin, Paul Vaillant-Couturier, Maurice Thorez, Paul Langevin.
Par exemple, pour ce qui est du sud de la ville, dans le nord, il y a aussi Joliot-Curie, Vallon, j'en passe et des meilleurs. Là, on peut voir le groupe scolaire Paul-Éluard avec Henri Ravera qui fait une visite, il y a un fontis. Ce qu'on appelle les fontis, c'est un trou béant dans le sol à cause des carrières. Bagneux est un site où, sur les Mathurins également, mais partout sur Bagneux, a été exploité dans les carrières souterraines, hein, 20 mètres sous le sol, 30 mètres sous le sol, 50 mètres sous le sol. Il y a des hommes qui sont allés chercher du calcaire pour faire des. Pour y extraire des pierres calcaires et faire des monuments comme la Madeleine, l'église de la Madeleine à Paris, ou l'Arc de Triomphe, l'église Saint-Ermelin également. Et si vous prenez la rue Allende, Salvador Allende, où il y a le château des Marronniers, vous verrez encore des témoignages de ces pierres calcaires. Hein, les portails hein, qui enserrent ces anciennes demeures sont faites de pierres calcaires de Bagneux. Donc voilà. Et ces pierres calcaires font que le sol est grévé de carrières et ces carrières peuvent s'affaisser parce qu'elles sont c'est des vides hein, dans le souterrain. Et quand il y a un affaissement de carrière, eh bien, il y a un trou qui se crée. Voilà ce qu'on appelle des fontis. Tous les immeubles d'habitation de Bagneux, mais aussi actuellement le site des Mathurins qui va accueillir un nouveau quartier. Toutes ces zones-là doivent être comblées hein, par de la terre et tout un tas de techniques hein, que je ne connais pas, mais c'est des spécialistes. Pour combler les carrières, hein, il faut combler les carrières et ça coûte de l'argent. Et donc, ça, c'est quelque chose qui a existé depuis longtemps, on le voit. Et là, ils ont terminé d'ailleurs. Je vais montrer le décor à tout le monde. Ils ont enlevé la centrale à béton qui avait juste à gauche de l'écran, là, qui servait à remplir depuis des mois les carrières en béton. Et ils ont mis, à ce qu'on dit, l'équivalent de la tour Montparnasse en volume de béton sous la terre pour pouvoir construire de nouveaux immeubles. J'espère qu'on pourra avoir accès aux photos un jour. Voilà. Donc, vous voyez, derrière moi, c'est la ferme qu'on a vue tout à l'heure. Actuellement, il y a les serres municipales et l'équipe des espaces verts, qui d'ailleurs, la semaine dernière, on peut les saluer. Le week-end dernier, il y avait une foire. Ils étaient ouverts, hein, ils ont donné des productions qu'ils avaient préparées pour les jardins ouvriers qui existent à Bagneux, hein, et les jardins partagés, etc. Donc, voilà, il y a une permanence hein, de l'activité. On essaye, en tout cas à la ville de Bagneux, de tisser un lien entre le passé et le présent. Vous avez ici une photo du parc Mitterrand, qui avait été inauguré par Henri Ravera. Ça, c'est au début du parc. Hein. Il y a eu une prolongation de ce parc il y a 7 années de ça. Et il est prévu de prolonger encore hein, un petit bout de parc hein, dans le quartier des Mathurins. Là, on a vu sur le site, le futur site du lycée, qui anciennement était un parking. Voilà. Alors, ce site de la Thompson Houston, hein, c'est aussi une mémoire d'hommes qui ont travaillé, de femmes et d'hommes qui ont travaillé. Et là, on a des témoignages de la Thompson en grève, on est en 68, alors là, c'était peut-être un peu avant 68, ça devait être en 59. Mais donc, à l'époque, hein, il y avait une grosse activité syndicale dans des grosses usines. Et donc, pour les salaires, par exemple, mais aussi en 68, les grèves de 68, à Bagneux, ça a été quelque chose. Et il y a toujours des habitants de Bagneux qui au Tertre, qui au Curon, ou ailleurs, hein, dans Bagneux, peuvent témoigner de cela. On voit par exemple Roger Flavigny, qui a été conseiller municipal également, hein, participer à une grève des ouvriers de la Thompson, donc en 1968. Certains balnéologues vont reconnaître d'autres visages. Hein, et voilà. Donc on conserve tout ça, aux archives communales. Voilà, là c'est les terrains des Mathurins. Là on doit être Blaise Pascal, Les Blains. On voit des arbres fruitiers.
On est dans les années 50. On voit la rue, hein, c'était un chemin de terre. Hein, il a fallu attendre les viabilisations, les constructions. Voilà. Là également, on est du côté de Blaise Pascal pour descendre sur la Sarrazine ou les Pichets. Non, Sarrazine. Les Bas-Cocarnes. Donc là, ça donne vue sur Bourg-la-Reine. Voilà, là on est rue de la Fontaine. La maison au fond existe toujours, hein, qui donne sur le sentier des Brugnots. Et donc il y avait une petite fontaine à l'époque où les gens allaient remplir des seaux d'eau. On est dans les années 50. Hein. Donc c'est la non, C'est c'est pas la même fontaine qu'on a vue tout à l'heure Non, ce de n'est pas la même Gueffier. fontaine. Là, on est rue de la Fontaine, en face la résidence Éphidis, Léo Ferré, il OK. me semble. Et juste en face, l'école Albert Petit, pour donner sur le gymnase Romain Rolland, qui est juste derrière. Et donc, il y avait une fontaine. Et la fontaine que vous avez vue tout à l'heure, c'est au niveau de la place de la place Gueffier, la place de la fontaine Gueffier. D'accord. Voilà. Mais on peut faire des visites hein, patrimoniales ou les week-ends. Hein, on est disponible pour se balader dans Bagneux et faire l'histoire de la ville. Là, on est lors de la construction du site de la Thompson Houston. Les terrains sont pas si éloignés. L'état des terrains n'est pas si éloigné que ce qu'il y a actuellement sur le site de la Thompson. Hein, donc voilà. On est en 1954. Donc plus de 60 ans après, 70 ans. Hein, on va renouveler complètement le site, on va le rendre libre, accessible aux habitants, parce qu'en fait, le site industriel n'était pas du tout en accès libre aux habitants, et les habitants n'ont jamais pu accéder librement à ce site. Et ça faisait vraiment une coupure entre l'est et l'ouest de la ville, le nord et le sud. Et il y a un des enjeux, c'est aussi d'ouvrir ce site et de ne pas le laisser d'une part à l'abandon, et de le rendre viable et ouvert. Et de répondre aux besoins de la population hein, et de l'augmentation démographique, bien entendu. Voilà, là on est sur l'inauguration du parc Mitterrand hein, dans les années 84. Et ça a bien poussé depuis. C'est Chemetov qui a fait le site, il me semble. Ouais. Voilà, l'architecte Chemetov. Alexandre, oui, qui est paysagiste. Il fait peut-être de l'architecture. On a aussi donc les Bagneux Info, à l'époque c'était le bulletin municipal. Dès les années 60-70, la ville s'engage dans la construction d'un établissement, dans un lycée. Hein. D'ailleurs, si vous vous baladez rue de la Fontaine, devant le lycée, avant le lycée, il y a un panneau qui est une reproduction d'une photo des archives communales qui indique bien que depuis 1956, la ville essaye de faire pression sur les pouvoirs publics hein, et l'État pour investir dans l'éducation secondaire dans la ville de Bagneux et accueillir un lycée général à Bagneux. Donc voilà, Bagneux a fait déjà beaucoup d'efforts, hein, là c'est ce qu'il raconte dans cette brochure, a fait déjà beaucoup d'efforts sur l'enseignement, notamment avec la construction d'écoles maternelles, primaires, dans les collèges. Aussi une bataille pour avoir le collège Romain Rolland, mais aussi l'école Henri Vallon. Actuellement est en projet la rénovation du collège Joliot-Curie, par exemple. Hein. Il y a eu des engagements forts pour la construction d'une école, l'école Rosenberg, hein, dans le centre, mais aussi l'ouverture l'année prochaine, en septembre prochain, de l'école Nicolas Saint-Phal à côté du futur parc rénové Robespierre. Et donc là, on est dans un engagement de longue date avec la participation des habitants, hein, signature de pétition et demande forte auprès des pouvoirs publics pour avoir un lycée. Donc voilà. Là, c'était Gérard Bédagnan, hein, qui est décédé il n'y a pas si longtemps que ça. Gérard Bédagnan, de Bagneux, qui avait la responsabilité de l'éducation, adjoint à l'éducation, qui défendait l'opération d'un lycée à l'époque, voilà, en 1964. Donc ça, c'est un extrait de journal Du Bagneux Info, du Bagneux Info. qui s'appelait le bulletin municipal à l'époque, Ok. disponible en Donc il ligne. existe depuis très longtemps. Voilà, depuis 1935.
C'était un engagement de la commune, quand Albert Petit arrive aux responsabilités, de mettre à la lecture publique les engagements de la collectivité, les décisions municipales et retracer un peu l'action de la ville. Donc voilà. Aujourd'hui, ça existe toujours et dans le Bagnu Info, vous pouvez lire les engagements de la commune, l'édito du maire, également tous les groupes politiques qui peuvent s'exprimer librement dans ce magazine. Voilà. Et vous pouvez y retrouver les activités proposées par les équipements publics hein, municipaux. Voilà. Donc si je crois qu'on en a fini avec le déroulé. Oui, je crois qu'on a fait le tour du diapo, ouais, tout à fait. Vous pouvez retrouver d'autres photos hein, aux archives communales, disponibles sur rendez-vous, hein, en envoyant un mail ou en téléphonant, par exemple. Donc voilà un peu le métier. On est loin, effectivement, de l'image qu'on peut se faire d'un archiviste. Quelle est cette image? Je ne sais pas. Si vous avez vu Le Seigneur des Anneaux, Gandalf, à Minas Tirith, plongé dans des vieux grimoires. Alors, on peut être souvent plongé dans des vieux grimoires et des vieux documents, hein, mais maintenant, on travaille avec l'ordinateur. On essaye d'avoir une image un peu rénovée et fun, si je puis dire, hein, du métier, hein, qui est un métier assez dur. Hein. On est souvent dans des conditions poussiéreuses, c'est vrai. On soulève des boîtes, c'est vrai. On est vu comme des vieux rats de bibliothèque, mais... Mais en fait, on conserve, hein, on est des conservateurs, mais on conserve des documents qui ne méritent qu'à sortir, à être connus et à être réutilisés par tout un chacun. Il y a une appétence hein, pour l'histoire hein, qui se fait, que ce soit pour les vieux, mais aussi les jeunes. Tous les âges, toutes les conditions sociales peuvent s'approprier une photo, un dossier, et en tout cas tracer une histoire, un continuum entre le passé et le présent. Les habitants aussi possèdent des archives. Souvent, ils l'ignorent, hein, mais leur histoire à eux a également une valeur patrimoniale, sentimentale pour eux, mais aussi patrimoniale pour la collectivité, la société, parce que ce qu'ils ont à raconter de leur vie peut faire sens dans l'histoire collective et peut rentrer dans le pot commun de l'histoire collective, de quelque origine qu'on soit, quelques conditions sociales. Je ne suis pas un enfant de Bagneux, mais Bagneux m'a adopté, si je puis dire. Et maintenant, je fais partie hein, de cette histoire. J'essaye de la rendre à tout un chacun et de donner du sens, faire du sens, faire sens commun. Voilà. Et est-ce que tu as dit où se trouvaient les archives? Je ne sais plus si tu l'as cité. Le sous-sol de la médiathèque, effectivement. Et donc, c'est le sous-sol. Alors, nous sommes en rez-de-jardin. C'est un très bel espace. Hein. La salle de lecture est vraiment très agréable, plein sud. Mais en rez-de-jardin, effectivement, il y a aussi un intérêt hein, pour conserver les collections, de ne pas d'avoir des conditions de géométrie et de luminosité particulières. Bon, ça, c'est la technique. Hein, ouais. Mais voilà, on est bien loti à Bagneux, en tout cas, pour l'accueil des publics, tous les publics. Et donc, voilà, c'est important de faire ce sens commun, de donner sens commun et de donner à voir qu'à Bagneux, il y a aussi une histoire, que même si on n'est que de passage, hein, parce qu'il y a beaucoup de mouvements, hein, avec une population nouvelle, une population ancienne, et donc comment on peut tisser des liens entre les habitants à travers l'histoire, c'est aussi un des enjeux du patrimoine et de nos métiers. Super. Voilà. La collectivité s'engage également hein, là, dans l'ouverture, hein, dans les prochaines années d'une maison du patrimoine qui sera rue des Fossés, donc voilà, dans le Clos des Sources, qui est un lieu magique qui va un aussi. Un magnifique endroit, oui. Qui souvent est ouvert aux Journées du patrimoine avec l'association Les Amis de Bagneux et qui a vocation là à s'ouvrir encore plus avec une maison du patrimoine qui donnera encore plus à voir que le lieu des archives, en tout cas la richesse du patrimoine de Bagneux et de son histoire. À travers les âges. Nos plus vieilles archives datent de 1540, avec l'état civil, hein, et ensuite les archives. 1540 à aujourd'hui, ça fait plus de 500 ans d'histoire. Et on peut aussi trouver d'autres traces hein, patrimoniales. À travers, par exemple, d'une rénovation, la maison Richelieu,
qui sert aujourd'hui de conservatoire de musique et de danse, possède des poutres peintes, donc des plafonds peints magnifiques qui sont un exemple unique en Île-de-France. Il y a quelques plafonds peints à Paris, mais dans la proche banlieue, il n'y a pas du tout d'exemple aussi magnifique que les plafonds peints de la maison Richelieu qui date du 17e siècle. Donc voilà, c'est des choses qu'on peut découvrir au Journée du patrimoine, mais aussi si vous inscrivez vos enfants à la maison de la musique et de la danse, vous pourrez les apercevoir dans les salles de cours et les enfants y ont accès voilà, gratuitement. Très bien. Merci beaucoup, Clément. Bah, merci de m'avoir accueilli. On reste disponible et puis on espère que la preuve par 7 et le lycée avant le lycée continueront de permettre aux habitants de Bagneux de découvrir des métiers, des nouvelles pratiques et puis de s'investir également dans cette grande aventure du lycée avant le lycée. Super, tu nous fais une Pour pub, l'émancipation, j'essaie de vous faire l'article. géniale. Très bien, merci. Merci à vous.